Skirt off in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche and I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory and go fast, go fast, go fast. Turn out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche and I go fast. En direct du Parc des Princes. Salut David, nous sommes de retour. That's right, we're here at the Parc des Princes. This is the stage for tomorrow's match in the Champions League, but we're here for the press conference with head coach Christophe Galtier and he's joined by his midfielder Fabien Ruiz. En effet, au bord du terrain, juste ici, se trouvent Christophe Galtier et donc Fabien Ruiz. Les deux, eh bien, quelques mètres qui les séparent eh bien, de l'auditorium en bas du Parc des Princes où va se dérouler la conférence de presse et on va la suivre ensemble, David, à peu près une demi-heure ensemble. Yeah, that's right. So they finish these flash interviews that they have now, then they go inside, as you just explained, where they will face the rest of the media and answer those questions for tomorrow, just after their training that they had today. Exactement. Alors ce matin, nous étions au centre d'entraînement. Les Rouges et Bleus se sont entraînés. Si vous l'avez manqué, vous pouvez voir le replay sur les réseaux du Paris Saint-Germain. David, on a pu voir quelques retours, notamment Presnel Kimpembe, Nuno Mendes. On a pu voir Sergio Ramos, Neymar Jr. qui était suspendu en Ligue 1, ils sont bien là. Yeah, that's right. Neymar Jr. and Sergio Ramos are back from their suspension, so they will be available for selection tomorrow. Unfortunately, Marco Verratti has replaced them. He is suspended for tomorrow's match. Exactement. Marco Verratti ne sera malheureusement pas de la partie demain soir pour la réception du Maccabi Haïfa. Mais bon, l'objectif pour le Paris Saint-Germain reste le même avec ou sans l'Italien, évidemment. Essayer d'aller chercher cette qualification dès cette cinquième journée, David. That's right. We're going into match day 6 in the Champions League. Oh, sorry, match day 5 in the Champions League. Match day 6 will be against Juventus. But there are two matches left in this group stage. At the moment, on top of the group with 8 points. Benfica also with 8 points. But the goals scored, goals difference is what has us on top of the group at the moment. Exactement, le Paris Saint-Germain en tête de ce groupe H, en tête également de la Ligue 1, David, parce qu'on reste eh bien sur une très belle victoire en Corse face à Ajaccio après la victoire dans le classique. Et puis bah, pour l'instant, David, 17 matchs, aucune défaite pour le club de la capitale. Il faut continuer comme ça. That's right, the season has started off great. Of course, we can go back to Israel, that Trophy Day Champion win. We can talk about the league play, we can talk about the Champions League, but 17 matches unbeaten for this team, looking to continue that streak, hopefully until the World Cup and maybe even after that also. Vous pouvez peut-être voir derrière nous, hein, mais juste derrière, on voit en effet Fabien Ruiz qui est juste là et donc Christophe Galtier juste à côté qui répond aux interviews en bord terrain. Bon David, ça va pas tarder à commencer. On va poser beaucoup de questions sur le Maccabi Haïfa, mais nous déjà on est sûr d'une chose, c'est que ça nous a plutôt réussi cette saison. On a réussi à tordre un petit peu l'histoire, on avait des mauvais souvenirs face au club israélien. On a réussi à les battre 1-3 là-bas, la MNM qui avait marqué, parfait. That's right, that match away from home at the Haifa, in Haifa, sorry, the Sammy Ofer Stadium. It was a fully packed house, the atmosphere was incredible that night. It was a very difficult match that first half, if you guys remember, it was quite complicated for Paris Saint-Germain. Second half, the team turned it around. It was a 1-3 win away from home. Of course, MNM all in on the goals that night. And hopefully, tomorrow, the MNM trio might be back together. And we can see those goals again and push this team
through to the qualification. Of course, a win would guarantee progression to the knockout stages. En effet, des joueurs, trois joueurs qui ont marqué, et donc, eh bien, la MNM face au Maccabi Haïfa. Depuis, ils ont tous marqué, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Très performante. En effet, c'est vrai que le numéro 10 brésilien Neymar était suspendu lors du déplacement à Ajaccio, mais il est bien de retour. Donc, on a aussi hâte de voir, et ça, il va en parler évidemment, Christophe Galtier, le système. L'animation qu'il va mettre en place, est-ce qu'il va compter sur 4 défenseurs, 3 défenseurs? Je suis sûr qu'en conférence de presse, il y aura des questions là-dessus, David. Yeah, that's right. Of course, you're going to hear everything from Christophe Galtier. That could be the system, that could be the trio, that could be who's going to play in midfield tomorrow. We don't necessarily know, but of course, Galtier... Ils sont en train de finir. Yeah, he's just finished his flash interviews now, so what that means, he's headed inside to face the rest of the press. Si je me pousse un peu, on devrait voir là, Christophe Galtier qui est au bord du terrain. Et donc Fabian Ruiz, juste à côté. Et donc on voit qu'ils sont en train de finir. C'est la tradition, normalement, c'est qu'ici, eh bien, il y a ce qu'on appelle les flash interviews, David. On doit répondre aux questions des diffuseurs de la Ligue des Champions. Et juste après, place à la conférence de presse où tous les journalistes attendent le coach. Yeah, that's right. So, merci Ben, bien joué pour le zoom. So yeah, they can see coach heading in to the press conference now. Just as a reminder, 6 matches now until... Bien joué Ben. 6 matches now until the World Cup. Okay, we have Haifa, Troyes, Juve, Lorient, même and Auxerre. Cinq, hein? Oh, five. I'm confusing match day 5 with 6 voilà, matches. Exactement. Yeah, it's 5 matches left. Haifa, trois Troyes. Matchs de Ligue 1 et exactly. 2 matchs de Ligue des Champions. Et après, place à la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain, évidemment, veut pouvoir partir l'esprit libre à la Coupe du Monde avec cette qualification pour les phases finales. C'est l'objectif, David. Et en étant... Évidemment, si possible, toujours leader du championnat. On a déjà une belle avance, hein. Yeah, that's right, that's right. Of course, a good stat to always remember here, Paris Saint-Germain have qualified the last 10 seasons for the knockout stages. So the important thing here is finishing this group top. So maybe a win tomorrow, a win versus Benfica will definitely guarantee finishing the group top. En effet, on pourrait assurer une première place de ce groupe H. Pour ça, bah, il va falloir déjà aller chercher cette qualification. S'il y a victoire, il y a synonyme de qualification. Comme David le rappelait, une stat très intéressante. Le club de la capitale s'est qualifié sur les 10 dernières saisons. Il va falloir continuer sur cette lancée, mais on a évidemment envie de finir premier du groupe, David. Yeah, that's right. Well, we can talk a little bit about that M&M trio. Of course, Mbappe has just become the club's top goal scorer in the Champions League. 31 there. Ouais. But M&M... There's a stat that I wrote down early this morning. 35 goals, 21 assists for M&M this season in all competitions. So the guys are flying. 35 buts, 21 passes décisives si on cumule toutes les fois où ils ont été décisifs, que ce soit Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappé, absolument dingue. Et c'est vrai que Kylian, lui notamment, eh bien, a réussi à égaler puis dépasser Edinson Cavani désormais avec 31 réalisations en Ligue des Champions. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'UEFA Champions League sous le maillot rouge et bleu, rien que ça. Yeah, I think... Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de la rencontre Paris Saint-Germain Maccabi Haïfa. Nous commencerons s'il vous plaît par les questions pour Christophe Galtier puis dans un second temps pour Fabian Ruiz. Merci de bien lever la main et d'attendre les micros pour poser vos questions. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Christophe, bonjour. Si, une petite question sur... c'est le protocole. Une question sur Fabian Ruiz. Vous avez dit avant le match de Brest qu'il, comme il était arrivé un peu en retard, il allait devoir travailler plus que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a travaillé pour rattraper son retard et être dans la forme dans laquelle il est en ce moment? Merci. Oui, Fabian a eu une préparation d'avant-saison évidemment compliquée puisqu'il était en instance de départ. Je crois qu'il pourra mieux vous expliquer sa situation, puisque je sais qu'en ce moment, il a été mis à l'écart un peu du groupe en attendant son transfert. Donc, automatiquement, il s'entraînait seul.
Il est arrivé assez tard chez nous, à court, sur un plan physique. Évidemment, sur un plan aussi technico-tactique, il avait très peu de séances. Et on savait, on devait être patient. On en avait beaucoup parlé avec, avec Luis Campos, mais aussi avec Fabian, qu'il fallait, fallait avoir un certain temps d'adaptation. Tous les joueurs qui viennent, qui sont transférés, ont un temps d'adaptation. Mais comme lui, il est arrivé très proche de la compétition, bien évidemment, il y avait une attente autour de son arrivée. C'est un joueur qui était identifié depuis très longtemps de la part de Luis et moi-même, puisque nous l'avions vu jouer ici une très grande partie face au Paris Saint-Germain quand il était à Naples. Et voilà, ben, petit à petit, en travaillant sérieusement, on n'a pas brûlé les étapes parce qu'on avait aussi la crainte de blessure. On lui a demandé d'être patient et puis après, il a fait le travail comme un grand professionnel. Il a fait des compléments de séance, il était là très tôt le matin, il partait très tard, il partait après les autres pour se remplir au fur et à mesure. On a évidemment beaucoup échangé et même si ses premières apparitions ont paru pas au niveau où tout le monde l'attendait, il avait à ce moment-là l'entière confiance évidemment du staff technique et de ses partenaires et on savait qu'il allait élever son niveau de jeu. Bonjour Christophe, Loïc Tanzi, l'équipe. Vous disiez, vous allez récupérer Neymar pour ce match en Ligue des Champions. Vous disiez mi-septembre qu'il était celui qui apportait l'équilibre dans votre système. Est-ce qu'avec le changement de système, maintenant cette défense à 4, il a toujours ce rôle-là? On a changé de système sur les deux derniers matchs pour différentes raisons. Il y avait évidemment l'absence des uns et des autres. Il y avait aussi une réflexion sur comment être plus dangereux, comment faire pour récupérer le ballon le plus haut possible et pour permettre à mon trio offensif d'être beaucoup plus proche et plus rapidement devant le but adverse. Voilà, nous avons joué deux matchs dans cette organisation. Mais il n'empêche qu'il faut, quelle que soit l'organisation, que ça soit en 5-3-2 ou en 5-2-1-2 ou en 4-3-3, il faut de toute façon toujours beaucoup courir et même si demain nous devions évoluer dans cette nouvelle organisation, évidemment que on a besoin toujours des efforts des uns et des autres et d'avoir un juste équilibre, si ce n'est que ça c'est plus précis sur un plan défensif, ça paraît plus précis pour le joueur qui joue sous les deux attaquants. Bonjour Christophe, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Sur cette nouvelle organisation, justement, on voit qu'il y a un peu plus de liberté pour Kylian Mbappé, il est dans sa zone préférentielle. Est-ce que ce schéma à 4, ça permet de mettre vos trois joueurs offensifs dans les meilleures dispositions? Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à trois défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage d'avoir deux organisations, deux systèmes. Une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment. Il y a eu, ça a coincé, ces derniers temps, ça a coincé pour différentes raisons aussi. J'avais demandé, moi le premier, j'avais une réflexion depuis un certain moment sur comment on peut utiliser de manière différente la qualité que j'ai dans l'effectif. Que ce soit la qualité du milieu de terrain, mais aussi la qualité de nos trois grands attaquants. J'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé certaines équipes. Et j'ai demandé à l'ensemble de mon staff de beaucoup, d'avoir une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois l'utilisation maximale de mon effectif et surtout de mettre les joueurs dans leur meilleure position, dans leur zone préférentielle. Voilà, et évidemment que cette réflexion est arrivée là, à un moment où, la réflexion n'est pas arrivée là, la décision a été prise à un moment où il y avait des absents importants, et aussi par rapport aux différents systèmes sur lesquels nous allons être confrontés, que ce soit Marseille dans une organisation, Ajaccio dans une autre, Haïfa, on verra, Haïfa a changé aussi d'organisation.
je me disais que c'était le moment de faire différemment en amenant une variété dans notre jeu. Mais il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner du mieux possible notre trio offensif. On a trois joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir. C'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants. Et pour qu'ils soient performants, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre. Coach, bonjour. Une petite question par rapport à ce système à trois. Est-ce que la... Par ici, coach. Mourad Safian pour la source parisienne. Bonjour, coach. Est-ce que la montée en puissance de Fabián Ruiz, qui se trouve sur votre droite, a été la clé pour repasser sur ce système à 4 ou non ? J'ai à ma disposition un effectif des milieux de terrain de qualité. Et dans le premier modèle de jeu, à 5 derrière, avec deux milieux, évidemment qu'il y en avait beaucoup sur la touche. Il a fallu que j'attende que Fabián, mais que d'autres aussi puissent monter en puissance pour commencer à travailler par rapport à l'inflexion que j'avais. Et évidemment que Fabián joue dans une position qui lui est habituelle, dans une zone préférentielle, et évidemment que c'est là où il est le plus performant. Donc évidemment que pour modifier de manière assez importante quand même une organisation et un modèle de jeu, il faut que j'ai des joueurs qui soient très spécifiques. Et dans ce sens-là, Fabián est un joueur spécifique par rapport à cette organisation. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Sur Renato Sanchez, un joueur que vous vouliez, qu'est-ce que vous pensez de son rendement depuis qu'il est au club ? Ça fait quelques matchs qu'il joue. Et petite question subsidiaire, les révélations du Parisien ne vous ont pas échappé, le club a communiqué. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? On va commencer par la première question. S'il vous plaît, excusez-moi. Comme ça, parce que la deuxième, il va falloir y répondre. Donc. On va se détendre. Par rapport à Renato. Renato, évidemment, c'est un joueur que l'on souhaitait avoir. On connaît ses points forts. Il y a les matchs qu'il a pu jouer, mais malheureusement, il a été confronté à beaucoup de petits problèmes physiques, des pépins physiques qui ont engendré des arrêts, qui ont engendré une mini-préparation, qui ont engendré, évidemment... Il a perdu du temps par rapport à ses partenaires, et c'est ça. Et j'ai vu évidemment les commentaires suite à ses prestations, et je trouvais qu'il était important qu'il puisse démarrer à Ajaccio. Il était prévu qu'il joue une heure. Évidemment, quand on revient de blessure, et que malheureusement il avait enchaîné blessure sur blessure, puisqu'il était rentré quelques minutes contre Nice, et il a fallu qu'il sorte très rapidement, automatiquement on n'a pas encore le Renato que tout le monde pouvait espérer. Mais je sais, pour avoir travaillé avec lui, pour l'avoir entraîné, pour l'avoir dirigé, que c'est un joueur de très haut niveau, et quand il sera en pleine possession de ses moyens, il sera évidemment au niveau de ses partenaires. Ça, j'en suis réellement convaincu. Il a ma totale confiance, on travaille tous ensemble pour qu'il soit très performant, pour qu'il soit une valeur ajoutée aussi à cet effectif. Un peu à l'image de Fabián qui est arrivé très tard, à l'image de Carlos Soler qui est arrivé tardivement. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter, et malheureusement Renato a été freiné par des petits pépins musculaires. Concernant votre deuxième question, concernant les déclarations qui ont été faites, vous savez très bien que le club a communiqué. Pour moi, c'est de l'extra-sportif, et à partir du moment que c'est de l'extra-sportif, ça ne me concerne pas du tout. Et je suis très sincère, je vous regarde à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là, au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique. Mais voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à Haïfa. Et Dieu sait que ça, je sais que ça ne sera pas simple. English, Hibou.
Turkish, Hebrew, please. Hebrew, it's okay? Yes. מה אתה חושב על מכבי חיפה, בטח אחרי שפגשת אותה כבר משחק אחד, והאם יש שחקנים שלמדת מהמשחק הקודם לשים את האצבע עליהם, ואם אתה יכול להגיד את השמות שלהם, אם זה שרי, אם זה אצילי, פיירו, או שחקנים אחרים? Dès que nous avons connu notre tirage au sort, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur les adversaires et sûrement plus sur le Maccabi Haïfa, puisque c'est une équipe que l'on voit rarement jouer. Nous n'avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un jeu très vif, alerte, très percutant et dotée de joueurs... de joueurs très techniques, avec un entraîneur qui prône un jeu très intense, très agressif, dans le bon sens du terme, très intense, très agressif, mais très offensif. Et ce n'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller, dans une certaine organisation. On voit par la suite qu'ils ont été capables de battre la Juventus de Turin dans une autre organisation, et là, ça montre toute la qualité évidemment de leur entraîneur, de leur entraîneur, mais aussi la qualité de l'effectif, puisqu'ils ont cette capacité à pouvoir gagner dans deux organisations totalement différentes. Et évidemment que sur les matchs que nous avons pu analyser et sur l'analyse que nous avons fait de notre match, il y a des joueurs évidemment très dangereux qui sont Chéri, qui est un joueur très fort techniquement, capable de marquer des buts sur des frappes lointaines, mais qui est un très gros animateur dans cette équipe. Et je pense aussi tout particulièrement à l'excentré droit, faux pied gauche, Adzili, qui est un joueur percutant, très opportuniste et très adroit devant le but. Dernière question pour Christophe Galtier, s'il vous plaît. Christophe, bonjour. David Opodinski du Parisien. Est-ce que vous parliez d'un match encore important à jouer demain? On voit dans le même temps, il y a beaucoup à chaque rendez-vous, beaucoup d'internationaux qui se blessent toutes les semaines. Est-ce que cela peut être une donnée dans les prochains jours à prendre en compte dans la psychologie des joueurs, dans leur façon d'aborder les matchs, peut-être qui peut vous peser ou un petit peu être à prendre en compte justement pour mieux gérer dans les semaines qui vont séparer de la Coupe du Monde qui arrive très vite? Je crois que évidemment que la compétition génère des blessures et que chaque international, joueur susceptible d'aller faire la Coupe du Monde, a cette obsession-là incroyable d'aller faire cette Coupe du Monde. Après, je dis simplement que plus on y pense, plus ça peut arriver. Je crois qu'il faut travailler très sérieusement, jouer les matchs sans aucune retenue, mais surtout bien se préparer en amont, bien récupérer, après les matchs, et on fera, évidemment que je ferai en sorte, selon les résultats que nous allons obtenir, d'avoir la meilleure gestion possible de l'effectif pour que tout le monde puisse être satisfait. Avant toute chose, le Paris Saint-Germain, et si on peut, à travers nos performances, aérer le calendrier des uns et des autres pour qu'ils puissent être quasiment sûrs d'être en forme pour la Coupe du Monde, évidemment que je le ferai. Merci. Nous allons passer aux questions pour Fabien Ruiz. Merci de lever la main, si vous voulez. Bonjour Fabien. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu as joué les 5 derniers matchs de Ligue 1 comme titulaire. Tu es en train de t'installer dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe et quel est ton rôle en particulier sur le terrain, s'il te plaît? Bueno, sí, como ha dicho anteriormente el Michel... Es verdad que al principio pues bueno, fue un poco difícil llegar porque venía entrenando fuera del grupo y me costó un poco la adaptación porque no tenía la forma física, pero creo que poco a poco me estoy encontrando mejor. Estos últimos dos partidos ya he tenido muy buenas sensaciones y bueno, espero que este ritmo pues que siga así en los próximos partidos. Bonjour Fabien, même question que pour Christophe Galtier. Est-ce que tu peux raconter comment tu as comblé, comment tu as travaillé pour combler ton retard sur ta préparation physique? Merci.
Sí, bueno, estuve un mes en el Nápoles entrenando solo, sin poder entrenar con el grupo, sin tocar pelota. Y es verdad que eso me condicionó un poco a la hora de venir aquí, porque me faltaba esa forma física, ese contacto con la pelota que te da los entrenamientos, que te da los partidos. Y poco a poco, como ha dicho el coach, entrenando, quedándome más tiempo preparándome, poco a poco entrando en partido, y cada entrenamiento me sentía mejor. Y bueno, ahora estos últimos partidos, la verdad que me encuentro muy bien físicamente. Creo que el trabajo, pues bueno, me ha hecho que ahora esté en una buena forma física, y esperemos que sigamos en esta dinámica y que siga aportando al equipo lo que pueda dentro del terreno de juego. Bonjour Fabien, dans l'équipe tu prends de plus en plus de confiance, on voit aussi que tu as une belle relation technique avec Marco Verratti qui s'installe. Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui? Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation? Bueno, es un jugador que ya lo conocía, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce como Marco, ¿no? Es un grandísimo jugador y también como persona. Me ayudó al inicio mucho porque, bueno, al ser italiano y yo hablaba italiano, pues los primeros días la verdad que me preguntaba y me ayudaba en todo lo que fuese posible. Y bueno, creo que es fácil, ¿no?, jugar cerca de Marco, porque es un jugador con grandísima calidad que te ayuda muchísimo. Creo que tenemos muy grandes jugadores, pero uno de ellos es Marco, ¿no? Y la verdad que para mí es una satisfacción enorme poder jugar con los mejores jugadores, y uno de ellos claramente es Marco. Bonjour Fabien, Saïd Amda. Une double question, la première, c'est qu'on vous a vu beaucoup plus performant dans ce système A3. Est-ce que vous êtes capable de maintenir ce niveau de performance dans un système A2, ou c'est vraiment A3 où vous êtes le plus à l'aise? Et la deuxième question, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a eu certains qui se sont un petit peu amusés à vous comparer en termes de style à Pastore et Thiago Motta. Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bueno, creo que me puedo adaptar a las dos formas de jugar, ¿no? Creo que depende de cada partido, de cada decisión que el míster decida, de lo que nos pida. Es verdad que, bueno, que estos años atrás pues vengo jugando un 4-3-3, pero bueno, creo que también en el otro sistema también me siento cómodo, ¿no? Porque creo que soy un jugador en el que le gusta pues abarcar terreno, grande terreno en el juego. Y bueno, la siguiente pregunta. Bueno, siempre es bueno, ¿no?, que te comparen con grandes jugadores. Es verdad que, bueno, cada uno tiene sus características, yo intento aportar las mías, pero sí, claramente es una satisfacción que te compare con ellos dos, que son grandísimos jugadores. Sheila, ¿cómo van la mamen? ולמעשה זה שתי שאלות קצרות. אחת, איפה אתה מדרג את מכבי חיפה בליגה הצרפתית? Questions are for players only now. Only now? Okay. Yeah, sorry. I wanted if you have a question for Fabian, please. The coach, judge the coach. Sorry. Derrière, s'il te plaît. Bonjour Fabian, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais savoir un petit peu si vous aviez été surpris lors du match aller par cette équipe du Maccabi Haïfa. Est-ce que vous vous attendiez sur la rencontre de demain? Et ensuite, j'ai une deuxième petite question. Où est-ce que vous en êtes pour vos cours de français? Parce qu'à première vue, vous êtes très assidu au cours de français. Merci. Bueno, creo que no nos sorprendió, ¿no? Habíamos visto al equipo, ¿no?, que era un equipo que presionaba mucho, que tenía jugadores de calidad, rápidos arriba, y bueno, creo que su estadio con su gente apretaron muchísimo. Los primeros 25-30 minutos sufrimos un poco, pero bueno, luego supimos darle la vuelta al resultado, y mañana será un partido más o menos de la misma intensidad, pero bueno, sabemos que es un partido muy importante para nosotros, que estamos jugando en casa con nuestra afición y que tenemos que llevarnos los 3 puntos, porque para nosotros es muy importante. Bueno, estoy empezando a dar clases de francés. Esperemos que en poco tiempo, pues bueno, pueda dar la próxima conferencia en francés. Oui, Fabien.
David Opozinski du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous espérez encore disputer la Coupe du Monde et sinon nous expliquer un petit peu la relation avec cette sélection et, qui est un petit peu difficile ces derniers mois, notamment à cause d'une mésentente avec le sélectionneur. Merci. Bueno, no, nunca he tenido problema con el seleccionador. Al contrario, siempre le deseo lo mejor a mis compañeros, a mi país, ¿no? Y bueno, ahora la verdad que me centro más en el equipo, en el París, ¿no? En hacerlo bien, en aportar lo que pueda y en el partido de mañana, que para nosotros es muy importante y ahora mismo solamente pienso en eso. Dernière question, s'il vous plaît. Fabien, vous avez trois attaquants exceptionnels, mais disons que ce n'est pas toujours les plus assidus pour les replis et les efforts défensifs. Est-ce que c'est difficile d'être milieu derrière ces trois joueurs-là ? Vous répondez, vous mettez trois que deux. Bueno, yo creo que para los centrocampistas es un placer, ¿no? Poder tener a los tres jugadores delante nuestra, ¿no? El poder darle la pelota que ellos te resuelvan. Para nosotros es un placer, ¿no? Sabemos que ellos, pues bueno, de campo para adelante son increíbles, te ganan partidos en menos de un minuto y bueno, para eso estamos, para los demás, ¿no? Para poder ayudarle a ellos que se sientan cómodos en el campo y aportarles lo máximo. Merci a tous. Merci. Merci. Et voilà David, c'est tout pour la conférence de presse de coach Christophe Galtier et Fabien Ruiz. Bon, il y avait les sous-titres anglais, alors je vais simplement faire assez vite et essayer de résumer un petit peu ce que Fabien Ruiz a dit. Ok David ? Yeah, that's it. Alors vraiment rapidement, évidemment Fabien Ruiz qui n'a pas été surpris par le niveau de cette équipe du Maccabi Haïfa, qui notamment bénéficie d'un soutien extraordinaire de son public, qui a montré et mérité sa qualification. Et donc voilà, ils s'attendent à un gros match, mais évidemment l'important. Et là, voilà, évidemment qu'on pourrait dire que c'est une réponse habituelle, mais plus que jamais, ces trois points sont très très importants pour aller chercher la qualification. Il a été sondé sur ses partenaires, notamment Marco Verratti, aux côtés desquels il évolue. Il est évidemment très flatté d'évoluer dans une équipe avec de si grands joueurs. Marco Verratti est l'un d'eux, il a l'expérience, il a le talent. Évoluer dans ce milieu, pour lui, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, un milieu à deux ou un milieu à trois, il a également été sondé sur l'animation du Paris Saint-Germain. Et qu'importe où il peut évoluer, tant qu'il arrive à faire son trou, petit pincement au cœur et évidemment petite dédicace à Javier Pastore. Ça c'est peut-être un peu pour les styles qu'il a. Voilà, il a été sondé là-dessus. Ah, ça l'a pas empêché de faire pléthore d'éloges à l'égard de l'Argentin, ancien numéro 27 du Paris Saint-Germain, en disant que voilà, pour lui c'était plutôt un compliment que ce soit de Javier Pastore et de Thiago Motta. On a pu voir quelques prémices, en tout cas, des jeux de Fabián Ruiz lors des deux derniers matchs, que ce soit face à l'Olympique de Marseille ou l'Ajaccio, les deux derniers matchs où finalement il avait commencé dans le 11 titulaire. Et puis là, enfin, dernière question sur le trio d'attaque, la MNM. Finalement, quand on est un milieu de terrain, est-ce qu'il y a mieux qu'évoluer en milieu et être la première rampe de lancement pour de tels attaquants ? Jouer avec eux est un délice parce qu'évidemment, David, on a pu le voir lors des derniers matchs. Eh bien, ça sert la distribution du jeu, la lecture du jeu de Fabián Ruiz. Eh bien, finalement, combiné avec ces joueurs-là, est-ce qu'il y a mieux ? Je ne sais pas. Pouf, well ouais, done. Non, non, franchement, well David, la moitié de la course est passée à la trappe, mais je ne vais pas pouvoir tout résumer, évidemment, mais je vous propose d'aller voir le replay après. That's it. That was the breakdown there. That was Christophe Galtier and Fabien Ruiz in their press conference ahead of the Champions League match versus Haifa tomorrow. Christophe Galtier spoke a little bit about systems. He spoke about why that first match was so difficult versus Haifa and how both Fabien Ruiz and Christophe Galtier expect this match to be intense and difficult tomorrow. They're a team that press very high. They're very technical players. And they play very direct as well. But coach there speaking also about the system, saying it's great to have two different systems, how that can be advantageous to the squad as well. They can switch it up when they need to. Bah, c'était exactement notamment la raison de la présence de Fabián Ruiz de retour, parce qu'il y avait des absents, il y en avait d'autres qui étaient disponibles. Bref, eh bien Christophe Galtier avait switché finalement dans un milieu à 3 et une défense à 4. Est-ce qu'il pourrait revenir à son ancien système ? Oui, il l'a dit, rien n'est figé. Ce n'est pas parce qu'il est passé à 4 qu'il ne va pas repasser à 3. Mmh. C'est pareil pour les attaquants devant. Il nous l'avait dit, David, dans le studio de PSG Télé. Il veut une équipe hybride. Il veut une équipe versatile, capable de se mouvoir. Et là, il a bien redit, ça dépend de l'adversaire. Les qualités de Marseille, d'Ajaccio ou du Maccabi Haïfa ne sont pas les mêmes. À lui d'essayer d'y répondre tactiquement. Et donc, à chaque fois, il s'adapte, notamment en appliquant son jeu,
mais en changeant d'animation avec une équipe hybride. And that's right, and Fabio Ruiz is part of that. He's part of those changes that, that Amber points out there. Fabio Ruiz was asked a lot about his progression over recent weeks here at Paris Saint-Germain. They said, of course, those first couple of weeks seemed very difficult for you, and he agreed to that. He said, a lot of the time when I was at Napoli, I was training alone, just with the ball. So when I got here, it was nice to start with Verratti. Verratti helped him to feel very welcome at first. And now, as he's starting to understand his teammates more, the team, what the coach wants, things are feeling better and he's feeling better. He just hopes he can continue. En effet, c'est une question qui a été posée à la fois à Fabien Ruiz et à Christophe Galtier, parce que c'est vrai qu'il avait dit les premières semaines quand il est arrivé ici, eh bien, l'état physique n'était pas unanime par rapport, homogène par rapport au reste des rouges et bleus, mais c'est normal, il s'était entraîné un petit peu seul du côté du Napoli, son transfert étant suspens quelques jours, et puis encore ici à Paris pour essayer d'avoir eh bien, une préparation physique, puisqu'il n'avait pas participé à la tournée au Japon désormais. En tout cas, quand on voit la forme eh bien, de l'international espagnol, on a vu qu'il a fait un match plein au classique. Il est sorti, je crois, à 6 ou 7 minutes de la fin face à Ajaccio. C'est que la machine est en route, David. That's it. Voilà. It's match day 5 in the Champions League tomorrow. Of course, 2 matches left. The match tomorrow at home versus Haifa and then in Turin next week. The objective is clear, qualify for the next stage, but of course, finish top of the group. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas fini. Il reste 2 matchs de Ligue des Champions. L'objectif pour le Paris Saint-Germain, c'est d'aller chercher le plus vite possible sa qualif pour les phases finales pour une 11e saison consécutive. Donc ça passera soit ici, donc on l'a dit, face au Maccabi Haïfa, soit dès la semaine prochaine, dès mardi, face à la Juventus de Turin. Quoi qu'il arrive, on espère que le club de la capitale eh bien, va faire le job. Mais c'est bien parti, puisqu'on rappelle que les Parisiens ne se sont pas inclinés jamais cette saison en 17 matchs, donc pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Il va falloir continuer comme ça, David. That's it. Unbeaten in 17 matches, looking to continue that streak tomorrow. Of course, we have all the content that you guys need tomorrow with the match day. We'll be here for the kickoff at 7:30, so join us for that. I think that's all for now. En effet, David et moi serons présents au bord de la pelouse à partir de 19h30 avec de très beaux invités. Et comme d'habitude, on va vous plonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère. On va tout vous dire sur les 11 de départ, les forces et qualités. Bref, on aura plein de choses à vous dire. Pour ça, rendez-vous à 19h30 dans Kick-Off Pétante sur absolument tous les réseaux du Paris Saint-Germain. C'est tout, David ? That's it. Allez, ciao tout le monde. Ciao.